Louis Pasteur du Chaperon Rouge. Alors, on a une belle histoire de Louis de Chaperon Rouge. Alors, il y a deux versions, mais on ne va pas chanter la version rare parce qu'il y a trop d'enfants ici ce soir. Vous leur étonnerez une autre fois. On va chanter la version light. Ah oui, ouais. Bon, elle est vraiment rare. L'autre soir, en revenant d'une promenade, j'ai rencontré au coin du bois de sapin le chaperon rouge effondré au bord des larmes, assise dans la mousse et se roulant dans le foin. « Qu'as-tu, mon petit ?» dis-je, en m'asseyant près d'elle. « Quel est cet ennui qui te cause tant de chagrin ?»« Ah, mon bon monsieur, me raconte la donzelle. Les chasseurs ont tué le grand loup ce matin. Qui va border la grand-mère maintenant que le loup est mort ? Qui fera le bonheur de la vieille ? Y a-t-il qu'en voulait encore ? Qui va maintenant s'occuper de la vieille ? La réchauffer dans son grand lit la nuit ? La protéger, lui faire croire qu'elle est belle ? La mort du loup, la tuera elle aussi. L'autre soir, revenant d'une promenade, j'ai entendu monter du grand bois de sapin des plaintes, des pleurs, j'ai crié « Qui est malade ?» Je me suis approché et j'ai trouvé les sept nains. Ah, les pauvres petits, ils souffraient les 500 diables pour sortir de leur corps un si grand chagrin. Blanche-Neige est partie avec une sorte de bellâtre, se prenant pour un prince avec son 1m80. Oh, veux pas de la branlette, maintenant qu'on a goûté aux fruits de cette minette, on ne pourrait plus s'en passer. On ne veut pas devenir des homosexuels, on veut pouvoir aimer comme on l'entend. On ne demandait rien avant cette jouvencelle nous montre sa pomme et qu'on morde dedans. Bon. Ça va. Pour le moment, ça va. Comme vous connaissez, hein, je tombais de haut, toujours la défense de la veuve et de l'orphelin. Non, pas de plaisanterie sur la veuve. J'avais besoin d'un petit remontant. Alors j'ai mis à chauffer du vin dans une bassine. J'ai ajouté quelques herbes, pour le dire, en infusion, quelques aphrodisiaques comme les fleurs de capucine, et puis des champignons parce que je les avais sous la main. Mais j'ai dû me tromper dans les proportions car j'ai vu au fond de la bassine les nains taper la mer grand. Blanche-Neige faire la coquine avec le loup et pendant ce temps la galipote s'envoyait mécassine. Le chaperon se faisait faire un enfant par les chasseurs qui chatouillaient Justine, alors que l'ordre s'occupait du prince charmant. La précarabosse, d'un coup de baguette magique, fait de Tintin un joyeux petit lutin. On le voit courir, la houppette lubrique, à la recherche de l'enchanteur Merlin. Et Lucky Luke, et Lucky Luke, et Lucky Luke se donne en solitaire de la joie pour le malheur de Sophie. V'là Pinocchio et sa braguette en être montant ce rame qui n'a rien vu venir comme d'habitude. À part le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, on était tombé bien bas quand même. Alors, il faut, malgré qu'on soit déjà bien bas, il faut une chute à cette chanson. Que voici, c'est un cauchemar d'ailleurs. La conclusion de cette histoire très morale se passe dans la caverne d'Ali Baba. On voit Ali, usant de son sésame, faire 40 gosses à Chantal Goya.